Et bonjour à tous, c'est Elias et on se retrouve pour ce deuxième épisode de Objectif D1. Aujourd'hui, on va tenter d'avoir tout simplement une victoire après ces deux branlées exceptionnelles. Donc, sans plus attendre, c'est parti. Allez, l'adversaire va jouer en vert. Moi, je vais jouer en blanc. Et on tombe contre une BPL, on va dire, tout ce qu'il y a de plus honorable, avec un Kolarov qui est très lent en arrière-gauche, un Pedro, un Lukaku up dont il va falloir se méfier, Welbeck et Cazorla. Allez, on se concentre et c'est parti pour ce match. On va tenter de le remporter. Benzema, Atem Ben Arfa qui a fait l'appel. L'appel, il est bon. On va essayer de dribbler Laurent Koscielny, le crochet. Ben Arfa et le but d'Atem Ben Arfa. Voilà le premier but de cette division 2. Enfin, Atem Ben Arfa qui ouvre la marque pour mon équipe. Ça fait plaisir. Atem Ben Arfa qui ouvre la marque, ça fait plaisir. Attention à la réaction de l'adversaire. Daniel Welbeck, je sais pas ce qu'il a voulu faire là. On vient avec Ribéry qui repart. Atem Ben Arfa qui avait l'espace. Ah. Oh Ben Arfa. Oh là 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 là. Défenseur Ben Arfa encore. Ben Arfa qui me fait des appels intéressants de lui. Karim Benzema dans le trou. Regardez-moi ce caviar de Pogba. Allez, on va enrouler Karim Benzema. Tu pars, c'est lui qui est pas bon. Allez, bien Trimoulinas, c'est notre tir. Trimoulinas la frappe. Oh le but! Le but de Trimoulinas, je m'y attendais même pas. Et Duarte est complètement battu. Ça fait plaisir ça, je m'y attendais même pas à ce but. À 0 pour mon équipe qui bat l'Ajax One. Et Kolarov qui lance en profondeur Pedro. Pedro qui va essayer ce jeu de Daniel Alves. Attention à cette tête. Ouh Mandanda. Hors-jeu de Daniel Welbeck. Attention à toute la puissance de Romelu Lukaku. Regardez qui réussit à passer. Et voilà, je l'ai dit tout à l'heure, faut se méfier du Lukaku up. Et voilà qui a réussi à me marquer. Je mérite de mener 4-0 avec tous les appels que me font mes attaquants. Mais voilà, j'ai du mal. Franck Ribéry qui va prendre l'axe. Ribéry qui attend l'appel de Karim Benzema. Voilà qui est fait. Karim Benzema. La passe était bien ajustée. Malheureusement, Benzema qui rate le cadre. C'est la mi-temps sur ce score de 2-1 où je mène face à cette équipe de l'Ajax Amsterdam. Donc, et on va tenter de préserver le score et pourquoi pas enfoncer le coup. Défense. Attention, centre. Alors, pas de panique. Pour partir proprement. Franck Ribéry qui fait l'appel. Il peut s'appuyer avec Ben Arfa. Ben Arfa qui lance en profondeur Franck Ribéry. La défense est assez basse pour mon adversaire. Hassan Adjara qui fait l'appel. Dommage, le contre était magnifiquement joué. Ça m'a dit, Pogba, deuxième chance. Ah Pogba. Ouh, Paul Pogba, on va tenter la frappe de loin, Pogba. Olé. Oh magnifique action, Ben Arfa, vous tentez une reprise de volée. Suite à son sombrero. Mais vous avez vu ce qui s'est passé. Hein. Pogba a bien suivi sur cette action et ça fait plaisir. Ribéry. Bavarois. Donc Ribéry, c'est pas terminé. Ribéry qui lance en profondeur Trimoulinas. Ben Arfa. Ben Arfa avec Atem Ben Arfa. La lucarne d'Atem Ben Arfa. Magnifique Atem. Allez, Ribéry qui intercepte. Oh, le petit pont, on va dire, de Ribéry. Allez, on va dire que ça compte. Hein. Oh là là, Ribéry. Ribéry, qu'est-ce qu'il fait? Oh, dommage. Oui, la parade Estelle. Allez, Antoine. Et c'est fini sur ce score de 4-1.
ma première victoire en D2. J'espère que ce ne sera pas la dernière. On enchaîne. Hey. Moi, je contre Wauchi Team, contre une équipe en 3-5-2. C'est une foule argentine, bah, décidément, dans cette division 2. Il y a beaucoup de gens qui se font des kiffs avec des foules argentines, Juventus ou d'autres équipes, foules carte noire. Bref, va falloir faire attention à Carlos Tevez, surtout. Il jouait ça, l'as. Super. Allez, Polo. Oula, le carne d'Athènes Ben Arfa. Il m'a régalé. Je m'y attendais même pas, là aussi. Athènes qui me surprend, là, en ce moment. Double stop and turn à garder. Le deuxième, la frappe croisée. Caballero ne peut rien. Récupère Benzema, la frappe juste derrière. Ah, dommage. Allez, l'interception de Las Diarra. Atem, la frappe de Ben Arfa. Daniel Vess en profondeur. Benzema, et il faut trouver, voilà, sur les côtés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça fonctionne très bien. Pogba qui est parti. Ah, la frappe de Pogba. Ouh, la petite faute de Javier Mascherano. Voilà, je crois que l'arbitre n'allait pas siffler. Allez, on tente avec Athènes. Allez, on tente avec Athènes. La lucarne droite pour Athènes Ben Arfa. Ouh, la barre, c'est pas terminé. Attention, faut pas que la balle revienne dans l'axe. Attention, plusieurs joueurs à disposition de Pereira. Et attention. Ouh, on donne la parade. Oh oui, m'a opposé Richard. Benzema est parti. Bah, c'est ça que je regrette avec Benzema, c'est qu'il ne soit pas assez rapide, vous voyez. Ça fait l'affaire quand même. Ouh, Karim, il lui a fait la misère là. Il jouait ça de la part de l'as. Super. Ouh, la balle qui était passée. Dommage. Allez, on va tenter la frappe avec Tremolinas. Tremolinas. Dommage. Bien joué ça. Allez, Athènes, fais-moi plaisir, Athènes. Bien joué. Crochet, le décalage pour Franck. Ah non, j'ai raté encore avec ce putain de joystick. Allez, Athènes, croise-moi de cette frappe. Oh, le poteau! Oh, Karim, qu'est-ce qu'il rate? Oh, l'élastico de Franck Ribéry, ça passe! Allez, Athènes. Oui, Athènes. Le stop. Athènes du droit. Griezmann. Oh. Allez, Athènes, croise-moi cette frappe. Ben Arfa pour le doublé! Athènes, Ben Arfa! Et voilà! Voilà le doublé pour Athènes et ce deuxième but qui m'échappait depuis le début du match. Simplement magnifique but en pleine lucarne. Caballero n'a pas de chance au monde. Rage quitte, voilà l'adversaire. Ça fait plaisir pour ce deuxième match, cette deuxième victoire. Donc, que dire de plus si ce n'est bravo à Ben Arfa qui m'a mis un petit doublé propre. On va voir les notes des joueurs. Regardez, Ben Arfa 8-5 à égalité avec la Sanadira. La Sanadira a fait des interceptions importantes au milieu de terrain. Voilà, j'espère que ce deuxième épisode vous a plu. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses qui ne vous ont pas plu. Et si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu. C'était Elias et on se retrouve pour le troisième épisode de Objectif D1.